ici Mélissa Raté. C'est un bonheur de vous retrouver pour Accès Culture qui vous parvient du café communautaire L'Accès. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous avez voyagé, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au cours des 30 prochaines minutes, je vous amène en Équateur. On va revenir faire un petit survol à Alma pour repartir à Marseille et ce, tout à fait gratuitement. Alors, préparez vos bagages et laissez-vous transporter grâce à nos quatre invités que je vous présente à l'instant. Il a été absent pendant près de 8 mois, mais il est de retour sur le plateau d'Accès Culture. C'est un excellent improvisateur. Il est membre du collectif ICREA. Il est aussi cofondateur du Festival international d'improvisation, le Quivive. Et jusqu'à tout récemment, il était en Équateur pour faire un stage afin de faire de la médiation culturelle. Alors, on l'accueille à bras ouverts parce que oui, je m'étais ennuyée de lui. Et oui, je m'assume pleinement, Derek. J'ai failli mettre ta photo sur une pinte de lait. En plus, je suis intolérant aux produits laitiers. Bon, tu vois. Non, mais je m'assume, oui, mais l'Équateur, tu as eu pendant 6 mois de temps intensif. 6 mois de temps intensif. Là, c'est assez. On peut-tu garder? Ils sont en crise présentement à cause de moi. Sérieux, sans blague, je sais que tu es revenu avec un bagage culturel assez incroyable. Tu vas nous en parler davantage. Oui. Mais peut-être juste nous rappeler pour quelles raisons tu as décidé de partir en Équateur. En fait, c'est que on m'a communiqué en fait ce stage de médiation culturelle-là et c'est tombé à un moment... crucial dans ta vie. En fait, un drôle de moment. J'avais pas prévu faire ça et ça m'a appelé. Excellent. Tu vas nous raconter ça tantôt. Je vais toutes vous détailler. Merci d'être là. On est content. Au sommet côté, une femme au grand cœur, on pourrait la qualifier de femme inspirante, visionnaire et persévérante. Elle adore faire des projets rassembleurs qui font du bien à la communauté. C'est une passionnée de théâtre et une amoureuse de la vie. Elle nous accueille chez elle parce que c'est la fondatrice du café communautaire L'Accès, où l'on se trouve pour le tournage d'Accès Culture. Manon Girard, bienvenue chez vous. Oh, ben merci, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que la culture occupe une place assez importante de plus en plus au fil du temps pour le café L'Accès? Ben en fait, de plus en plus, ça explose. Oui. Et nous, au café communautaire, on pense que, on entend du dire que la beauté d'un peuple, c'était sa culture. Absolument. Alors, nous refusons qu'à Alma, au lac Saint-Jean, la culture ne soit représentée que par des gens riches qui ont les moyens de se payer des cours de peinture ou de guitare ou de chant. Alors, tout se passe ici au café, mais grâce à la générosité des artistes du lac Saint-Jean. Comme on dit, c'est le café L'Accès, mais c'est accessible à toute la population. Effectivement, oui. On en parle davantage tantôt, Manon. Merci beaucoup d'être là. Notre prochain invité vit et travaille à Marseille. Il est présentement en résidence à Alma, du côté du Centre d'art Langage Plus. Sa première résidence se remonte en 2012, année où il a remporté le premier prix de l'École supérieure d'art et de design à Marseille. Il présentera à compter du 7 avril prochain l'exposition « Sur fond blanc » au Centre d'art Langage Plus avec nous, Aldric Mathieu, bienvenue. Merci. Évidemment, on va parler de ton travail de recherche, de création, de cette exposition qui s'en vient bientôt. Mais là, je veux savoir, comment trouves-tu ton accueil à Alma? Comment trouves-tu la population almatoise? Incroyable. Hein? Ben c'est bon. De sympathie, de chaleur, de... c'est génial. Malgré le temps froid qui t'a amené, là, bien sûr. Ça, je l'espérais, le temps froid. J'étais très content de la chute de neige cette nuit. Super. C'est bon, on s'en parle tantôt. Merci beaucoup, Aldric. Et je termine avec notre dernière collaboratrice, mais non la moindre. Elle fouille, elle déniche, elle propose des petites perles dans le monde du spectacle. Et on aime ça apprendre d'elle au niveau de la musique classique, du théâtre, de la chanson, du répertoire. Je vous dirais aussi que le monde du spectacle n'a pas de cachette pour elle. Et s'il y en a, ça se peut quasiment pas parce que c'est notre bible au niveau culturel. Stéphanie Girard de Ville d'Alma Spectacle, bienvenue. Allô. Théâtre ce soir, mettant en vedette un peu de littérature. Oui, en fait, je vous propose une très, très belle découverte que j'ai dénichée et que je vous ai apportée pour le 20 avril prochain sur la scène de la salle Michel Côté. C'est un théâtre de marionnettes pour adultes qui met en scène l'histoire de Guerre et paix de Tolstoï. Un vrai classique à ne pas manquer. Merci beaucoup. Accès Culture, ça commence maintenant. La médiation culturelle existe partout dans le monde. Certaines activités ont pour but d'augmenter l'accès de la population vers certains ateliers ou encore formations culturelles. Comme par exemple, lors de son séjour en Équateur, Derek Provencher a même donné des cours de cinéma et de théâtre dans des écoles pour adolescents. Tu vas nous en parler tantôt, Derek, mais d'entrée de jeu, quelle place occupe la culture en Équateur? Mon Dieu, c'est une excellente question. Je te dirais que la culture en Équateur, elle m'a semblé moins institutionnalisée qu'ici, en fait. Il y a moins
je crois que l'État encourage moins en fait l'artiste et que l'artiste professionnel il fait face à davantage de difficultés là, quant à sa rémunération pour un travail qu'il va faire et aussi peut-être... Tu quand... peux pas gagner ta vie là-bas comme artiste, oui, mais... Oui, tu peux, mais okay. Je crois que ça, c'est davantage difficile qu'ici. Et on a été surtout en contact avec des cinéastes là-bas, quelquefois avec des gens de théâtre. Je crois qu'en plus, en ce moment, ils étaient comme en combat pour la redéfinition en fait, du statut de l'artiste en okay. Équateur. Et ça semble pas... je pense pas qu'ils sont rendus au niveau où nous sommes actuellement quant à la définition du statut d'artiste. Tu m'as raconté à un moment donné aussi que vous étiez supposé donner un atelier, mais à un moment donné, il y a une reine de beauté qui est oui, arrivée, ben, qui prenait trop de place. Ben, c'est quelque chose qui me... Ça, c'est quelque chose de très culturel, en fait. C'est ouais. Que dans la ville de Riobamba, il y a une reine de beauté. Comme dans toutes les villes, en fait, chaque okay. ville a sa reine. Lorsqu'il y a une parade, évidemment, la reine est présente et elle a des mandats à accomplir. Donc, la reine de Riobamba, elle, c'était pour les chiens errants, parce qu'il y a une quantité énorme de chiens errants en Équateur. Et elle était venue, en fait, s'adresser aux élèves et ça a donné que ça a empiété, en fait, sur la classe de cinéma qui devait avoir lieu. Mais nous, c'était très intéressant en fait de constater ça, mais c'est vraiment quelque chose de culturel au niveau de l'horaire. C'est vraiment de voir la différence entre ici et là-bas. Oui. Quand tu es parti en Équateur pour faire ton stage, c'était quoi tes objectifs en allant là-bas? Mon Dieu, je suis parti tellement rapidement en fait. Moi, ça m'a semblé... Je sais, il m'a jamais dit salut en partant. Oui, ça m'a pas semblé en fait. Qu'est-ce que j'allais chercher là? C'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce que j'allais chercher là? Je pense que c'est une expérience de vie unique en fait. Puis ça m'a appelé d'aller là. Parce que je trouvais que dans mon parcours, ça s'inscrivait de façon logique. Et je pense que là, je suis en retour et je réalise des choses que là-bas, je ne réalisais pas. Et je pense que j'ai cheminé sur certains plans de ma vie personnelle, mais aussi sur le plan professionnel. Ouais, je pense que j'ai appris vraiment, vraiment beaucoup de choses, en fait, en étant en contact avec tous ces jeunes. Parce que je travaille avec la Fondation Arte Nativo. Et j'étais appelé à travailler avec une autre stagiaire québécoise, mais aussi une personne qui était Piedad Zurita, de la Fondation Arte Nativo. Et eux, leur objectif, en fait, c'est de travailler dans le domaine culturel, mais aussi de travailler dans le domaine du développement du droit des femmes. Donc, okay. Nous, avec le cinéma, mais en même temps avec le Théâtre Forum, on va toucher, en fait, ces enjeux-là. Donc, puis on part des débats. D'ailleurs, on a fait là-bas un festival hyper intéressant sur... les femmes, en fait, c'était des films du Moyen-Orient. Par la suite, il y avait des discussions. C'était hyper intéressant, en fait, d'avoir nos points de vue, mais aussi surtout les points de vue des gens là-bas sur ce que c'est, en fait, le féminisme. En plus, ouais. Ça a donné que ce festival-là est en même temps que ce qui s'est passé au Québec là, par rapport à la ministre et le féminisme. Ouais. Donc, c'était intéressant, en fait, là-bas, d'avoir des gens aussi qui parlent de ça. Puis... Qu'est-ce que ça représente pour le petit gars d'Alma d'être parti comme ça pendant 6 mois de temps? Tu l'as dit, tu es revenu avec un bagage, mais au plan humain. Au plan humain? Si tu fais l'analyse maintenant, aujourd'hui. C'est difficile à faire parce que mon retour est tout à fait récent. Mm. Mais au plan humain, je pense que ça vient en fait valoriser l'échange, qu'il soit interculturel ou interpersonnel. En fait, l'échange, je pense que... Moi, je suis très content d'avoir fait ça parce que je ne suis pas parti là-bas pour aller construire des murs ou des routes. Non. Je suis vraiment allé là-bas pour échanger avec les jeunes. Tu es allé démontrer aussi ton savoir-faire en improvisation, en théâtre, oui. En cinéma et mais tout ça. C'est ça. Nous, on a planté des graines, en fait. Puis, tu sais, si j'étais allé là-bas pour construire, par exemple, des escaliers dans le cadre d'un un projet touristique, mm-hmm. etc., ben, tu sais, je reviendrais 10 ans, les escaliers ne seraient peut-être pas en bon état parce qu'ils n'auraient pas été entretenus. Alors que là, je sais que ce que j'ai fait... Je pourrais peut-être jamais mesurer l'impact de ce que j'ai fait, mais moi, je pense que j'ai planté des graines. Puis que, tu sais, ces jeunes-là, ils ont ça dans l'esprit, ils vont cheminer. Ouais. Je dis pas que moi, j'ai laissé ma trace, mais que eux, je pense qu'ils sont peut-être allés chercher quelque chose. Puis ils m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Là. Oui. Surtout de travailler avec les sourds, en fait. J'ai travaillé avec des sourds aussi là-bas. Puis moi, je parlais pas espagnol en arrivant. Puis quand j'ai été amené à travailler avec les sourds, c'était comme oh, ça fait tellement du bien dans un espace où. On n'a même pas la barrière de la langue. On n'a même pas de barrière, en fait, parce qu'on communique juste tellement physiquement. Même s'il y a un interprète, c'était incroyable de vivre ça. Là. Puis aussi de voir leur réalité et les difficultés auxquelles ils sont confrontés là-bas. Je termine là-dessus rapidement. Le fait d'avoir fait de la médiation culturelle comme ça, c'est important d'aller à l'extérieur, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de leur présenter notre savoir-faire et tout ça. Bien, pour les aider aussi, leur donner un peu de...
Oui, moi je crois que c'est important en fait, c'est un échange parce que moi c'est un PSJ, donc un programme de stage international pour la jeunesse. Puis moi je vais beaucoup chercher là, à travers ça. Là. Donc moi je pense que c'est important que nous on le fasse, mais tu sais, on n'est pas les sauveurs du monde. Là. Moi je vais là en tant que stagiaire, donc je vais là en tant qu'apprentissage. Puis je peux pas dire que je leur ai apporté plus qu'ils m'ont apporté. Donc, mais oui, moi je crois que c'est important en fait de poursuivre ce genre de projet de coopération internationale là. Parce que la jeunesse, en fait, c'est le futur. C'est le futur, absolument. Ouais. Est-ce que c'était la première fois que tu devais centraliser autour de la femme ton travail? Mon travail n'était pas centralisé à proprement dire autour de la femme, mais la fondation, en fait, elle défendait ça beaucoup. Donc, c'était surtout au niveau du volet cinéma qu'on a pu vraiment plus centraliser le travail qu'on allait faire en présentant des films avec... Peut-être pas un propos féministe, mais qui touchait plus des enjeux. C'était plus des à côté après ça. Après ça, en fait, c'est vraiment au niveau de ce que les jeunes ont envie de parler. Parce que moi, le Théâtre Forum, je peux faire des suggestions aux jeunes de thématiques qu'elles ont envie d'échanger, mais je ne veux pas arriver en disant OK, d'aller parler de féministe. Okay, ouais. Non. T'sais, c'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est vraiment que eux, ils aient envie de discuter et de débattre. Derek, ça a été un plaisir. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci. Le Café communautaire L'Accès a été fondé en 2015, un lieu de rassemblement pour toute la population et où la culture occupe une place importante avec ses jeux de société, ses livres, sa scène également, ses différents ateliers artistiques, ses cours de musique et j'en passe. Et c'est vrai que Manon, depuis l'ouverture de plus en plus, on peut penser aux soirées cafards, la culture qui est omniprésente au Café L'Accès. C'est vraiment une explosion, ouais. Je dirais, même que des fois je me dis on va manquer de soirées. C'est pas drôle, on va manquer de soir, on va manquer de jour pour faire des activités ben, c'est correct. Culturelles. Ouais. Dans une époque où on se plaint souvent de ne pas en avoir assez, de ne pas avoir accès à la culture, que ce soit dans la télévision, la radio. Alors, pour nous, c'est vraiment c'est une agréable surprise. C'est un beau cadeau. Parle-nous de CAFAR, en fait, qui existe depuis déjà quelques temps, mais ça aussi, c'est de plus en plus populaire, qui laisse place à l'improvisation. Ben, en fait, oui. C'est, le CAFAR, c'est des soirées où chaque artiste, peu importe le médium choisi, ça peut être l'écriture. Et on sait que l'écriture, on n'a pas beaucoup de place pour entendre des auteurs. Donc, l'écriture, la musique, le chant, ça peut être même la peinture. Il y a un thème et ils ont de 2 à 5 minutes pour faire une présentation, pour faire nous montrer leur art, finalement. Pour vendre leur salade un oui. peu. Oui, puis c'est les vendredis soirs, c'est le premier vendredi du mois. Puis moi, au début, je me disais, voyons, vendredi soir, pas d'alcool. Il n'y aura pas personne. C'est plein. C'est plein. Et moi, quand je viens, parce que j'ai aussi une vie, je suis toujours ici, mais je pleure. Je pleure parce qu'on assiste d'abord à un spectacle magnifique et on a des gens, tu sais, j'ai découvert qu'à Alma, il y avait des gens de l'Inde, il y avait des Espagnols, il y avait des Chiliens, il y avait des Français, évidemment. Il y avait de toutes les couleurs et de tous les âges. Puis on parle en moyenne 40 à 50 personnes qui assistent à chaque fois. Et les artistes sont, tout le monde est au rendez-vous, les artistes sont généreux, évidemment. Même des enfants qui viennent, qui s'impliquent, c'est fantastique. Qu'est-ce qui fait le succès, justement, au sein du café par rapport à la culture? Qu'est-ce qui fait que, justement, c'est de plus en plus présent? Bien, je pense qu'au niveau de l'équipe, de la communauté, parce que tu le sais, hein, c'est un café porté par la communauté, pour la communauté, c'est que nous, on pense que c'est pas tout de nourrir le ventre, il faut nourrir l'esprit. Et la plus belle façon de nourrir l'esprit, c'est la culture. Oui. Puis, des fois, moi, je regarde, hein, j'observe autour de moi, puis là, tu t'aperçois que le cours de chant de ta fille coûte 700 $ par mois. Le cours de guitare coûte, pas par mois, par année. Là, ça tout coûte de l'argent, puis on n'en a pas toujours. Fait qu'ici, au café, l'art est accessible. On donne accès à l'art, à la culture, pour tout le monde. C'est un lieu de mixité sociale. Je ne vous demanderai pas votre rapport d'impôt si vous inscrivez au cours de peinture. Oui. On est rendu avec des cours de guitare, de chant, de peinture. On a des soirées création artistique où les gens se rencontrent pour discuter de l'art, en fait, de ce qu'ils font et aussi de créer ensemble. On a évidemment nos déchaînés, oui. qui sont un groupe d'art activistes que nous avons depuis 3 ans. Donc, parce que vous savez qu'on est un organisme de défense de droits quand même, hein, faut pas l'oublier, c'est important. Donc, on se sert, encore une fois, de l'art pour exprimer. Là, c'est nos mécontentements, des fois, ou nos difficultés. Par rapport à certaines situations oui. et tout ça. Puis, tu sais, on n'a pas besoin de dire que l'art, ben ça aide au niveau de l'isolement.
briser l'isolement, briser les préjugés. Les gens se côtoient pour partager, pas leur vie nécessairement, mais ce qu'ils ont de plus profond en dedans. Parce que quand on touche à la créativité, c'est ce qu'on a de plus profond. Donc, les jugements ne sont pas là. Les préjugés disparaissent comme par magie. Absolument. Et en plus, ben, ça met de la couleur, ça sent le bonheur. Est-ce qu'on peut dire qu'on se l'est approprié, le Café L'Accès? Vraiment. Vraiment. Vraiment, hein? Parce que chaque atelier qui est ici, les gens, ils viennent le donner gratuitement. Que ce soit mon prof de guitare, que ce soit tout le monde vienne. Puis c'est eux qui m'appellent. Qui appelle ici dire ben moi puis on regarde ben j'aimerais ça donner des cours tu sais on est rendu avec Manon, est-ce que mercredi le 22 mars c'est disponible pour Accès Culture? Oui, voilà exactement. Puis là les gens ils nous appellent puis c'est est-ce que c'est possible puis même pour des spectacles on a eu le groupe Varan qui est venu jouer dernièrement, la condition moi je leur prête parce que je me dis ça n'a rien un café vide, fait que prenez là la salle mais vous ouvrez la porte aux gens qui sont membres du café communautaire, parce que tout le monde doit avoir accès à ce qu'il y a de plus beau. Bon. Puis Manon, ce qu'il y a de plus beau aussi, là, je sais, on n'a pas beaucoup de temps, mais tu es une passionnée de théâtre. Depuis 5 ans, elle donne des cours de théâtre à une clientèle spécifique en santé mentale. C'est assez incroyable. Ça, c'est un beau défi pour toi. En fait, c'est du bonbon. C'est mon cadeau. C'est, à chaque année, je fais une Dominique Michel de moi. Puis je dis, c'est la dernière fois, c'est la dernière année. Mais c'est aussi un lieu où la démocratie existe encore, parce que on le sait, de nos jours, on se demande où se caler. Alors, nous écrivons la pièce de théâtre ensemble. Oui. On fait vraiment une création collective. Et ces gens-là, qui des fois ont des fragilités plus grandes que nous, ben ils ont le courage de sortir de leur zone de confort, de créer ensemble, hein, puis de monter sur scène devant, à chaque fois, une salle comble. Oui. Et j'oserais dire comblée. Comblée, parce que je l'ai déjà vue et c'est de toute beauté, là. De voir tout ce travail qui a été fait, les pratiques et tout ça, puis la création, c'est... ils montent d'A à Z. Oui, et puis à chaque année, ils montent, c'est eux qui montent l'espèce de niveau. Là. Cette année, je pense qu'on pogne encore. Tu sais, l'année passée, là, ils ont récité du Shakespeare, du Prévert, il y avait des bouts de Titanic, en tout cas, c'était vraiment... Puis c'est eux qui décident. Moi, absolument. Et important, c'est un oasis où la maladie n'existe pas. On travaille des êtres humains ensemble pour mettre ce qu'on a de plus beau sur scène. Manon, ça a été un plaisir. Merci beaucoup et continue cette belle passion-là. T'as raison, c'est pas long, 4 minutes. Hein? Je sais. Chaque année, le Centre d'art Langage Plus accueille des artistes et certains font même des résidences, un lieu pour les accueillir afin qu'ils puissent faire leur travail de recherche et de création avec des moyens financiers, techniques et humains. Aldric Mathieu présentera son exposition sur fond blanc à compter du 7 avril à Langage Plus. Aldric, tout d'abord, qu'est-ce qui t'a amené chez nous à Alma? Là, on est parti de Marseille et tu t'en viens très très loin. La vie d'artiste, c'est envoyer des candidatures pour des appels, pour des résidences, des prix, des expositions et de temps en temps avoir la chance d'être sélectionné. Et Langage Plus avait émis un appel à candidature pour des jeunes artistes européens. J'ai beaucoup aimé l'esprit et l'orientation de la résidence. J'ai envoyé le dossier. Mais voilà. Et tu es arrivé depuis déjà quelques mois. En fait, peut-être nous parler de la différence au niveau culturel chez nous, Québec versus Marseille, s'il y en a. À part qu'on est plus sympathique, ça on le sait. Alors, c'est pas facile parce que, bon, déjà, j'aime beaucoup la ville de Marseille et ce que j'ai pu y faire, ce qui s'y fait dans le monde de la culture. Et puis ici, je connais quand même depuis un mois. Mais de ce que je vois, ça bouge beaucoup. Et puis là encore, la simplicité, l'absence de snobisme des acteurs du monde de l'art ici, qui est vraiment, c'est un enchantement. On a un petit peu plus de plaisir. Ah oui. Oui, et hein? Puis, et puis on se cache pas dans la voix, en fait. Aldric, tu es arrivé, tu l'as dit, en résidence à Langage Plus. Ta démarche artistique, en fait, pour ton projet de création, comment ça s'est passé depuis les dernières semaines? Être en résidence, c'est un moment extraordinaire où on n'a pas rien d'autre, pas de documents, d'obligations, de déterminisme social, rien du tout, à part travailler. Et c'est-à-dire peindre. Du coup, dès que je suis arrivé, continuer mes recherches, les orienter vers des choses qui ne marchent pas, trouver quelque chose qui marche un peu mieux, faire un projet pour l'expo, et puis faire un projet aussi avec la communauté d'Alma, ça faisait partie de l'orientation de la résidence. Et c'est ce qui s'est traduit par ces petites choses-là, ces bâtons de couleur que vous avez peut-être vus
apparaître dans les avant-cours. Dans les bancs de neige, un petit peu partout du côté d'Alma. En fait, les gens pouvaient envoyer un texto ou encore téléphoner directement à Langage Plus. On donnait notre adresse. Et moi, de manière un peu furtive, je passe poser un bâton donc de 8 pieds. Hein, pour le décrire, c'est 8 pieds, c'est peint de couleurs très vives, une ou plusieurs couleurs, et je passe le planter dans l'avant-cour, dans le banc de neige. Oui. L'idée, c'est pas d'échanger, etc. La médiation, elle se fait pas de manière orale, sociale, c'est vraiment le morceau de couleur qui est le passage. Absolument. Puis ça fait beau dans nos bancs de neige, ça met un petit peu de gaieté, de différence. C'est seulement à Alma pour des raisons. Déjà, jusque chez nous, à Saint-Lazare. Je sais pas où c'est. Ça se fait vraiment au niveau de la communauté, de la collectivité, hein, ouais. De la ville. On parlait de politique tout à l'heure, il y a quelque chose de très politique là-dedans. Qu'il se passe quelque chose au niveau de la ville et puis aussi pour des raisons pratiques. Hein, pour aller planter des bâtons dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut que je reste un petit peu plus longtemps ici. Absolument. Ce qui serait un plaisir. 7 avril, c'est une date à retenir parce que c'est le début de ton vernissage, en fait, de l'exposition sur fond blanc. Les gens qui vont pouvoir se rendre du côté de Langage Plus, comment tu entrevois cette exposition-là? Fébrile? Pas du tout. Là, je suis en plein travail en ce moment. Ouais. Il y aura plein de choses. Grâce à un partenariat avec Sagami, j'ai pu faire aussi des travaux en photo. Avec impatience en fait, hein, que ça se mette en place et puis aussi d'avoir les retours puisque comme je vous disais, ces bâtons qui viennent semer, c'est une sorte de sédimentation de la couleur hein, qui se passe dans les rues d'Alma. Mmh. C'est pas des statues où on tourne autour, on regarde, blablabla. C'est vraiment des miettes de beauté et pour ça, il faut faire la démarche de les rechercher et qu'elles appartiennent à tous. Du coup, d'avoir le retour de ces personnes qui vont venir, j'espère, au vernissage. Absolument, on se donne rendez-vous le 7 avril. Aldric, tes prochains projets en terminant? Est-ce que après Alma, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? À Montréal, je vais poser mes valises pour encore 2 ans au Québec. C'est tellement bien, je reste. Merci beaucoup, Aldric, ça a été un plaisir et bon séjour chez nous. Merci. Guerre et paix est un roman de l'écrivain russe Léon Tolstoï. Malgré qu'il existe plusieurs versions, la parution originale date de 1869. Adapté au théâtre de différentes façons et à plusieurs reprises, il sera revu et corrigé par une nouvelle troupe et qui sera présenté très bientôt à la salle Michel Côté. Guerre et paix qui reste un classique, Stéphanie. Un classique, mais franchement, voici les 2 tomes que je suis allée chercher à la bibliothèque. Ça fait quand même beaucoup de pages à lire. Oui. Et franchement, je n'ai jamais eu le courage de m'embarquer dans cette belle aventure. Quoique, Léon Tolstoï est un auteur absolument fabuleux. Et lorsque j'ai été assistée à certains événements de spectacle lors de Rideau l'année passée, pour être plus précis, j'ai vraiment été séduite par la production du théâtre de quartier en coproduction avec le Sous-marin jaune, oui, qui propose la version Guerre et paix en théâtre de marionnettes. Alors, c'est la première fois qu'on va faire venir un théâtre de marionnettes pour adultes à la salle Michel Côté. Le théâtre pour adultes en marionnettes, c'est assez récent comme phénomène. C'est des compagnies de théâtre de marionnettes jeunesse qui sont allées se promener en Europe et ont vu ce qui se produisait sur les scènes européennes. Et il y a certaines compagnies qui ont amené le genre au Québec. La compagnie Populus Mordicus à Québec qui fait des choses exceptionnelles, dont un cabaret Gainsbourg qui est complètement éclaté. Ensuite, La Pire Espèce qui nous a offert, entre autres, un ubu sur la table avec des petits objets. Magnifique production. Et là, le Sous-marin jaune nous propose Guerre et paix. Guerre et paix qui est un incroyable drame historique qui fait 2000 pages ici. Et nous le résume en 1h20. Le Sous-marin jaune est une compagnie qui a déjà touché à plusieurs productions avec des œuvres quand même assez monumentales. On parle des essais de Montaigne, le discours de la méthode de Descartes et même la Bible. Et pour aborder ces grandes œuvres-là, ils ont une rockstar qui s'appelle le Loup Bleu. Le Loup Bleu. Alors, voici le Loup Bleu. En fait, le Loup Bleu, c'est le directeur artistique et philosophique du Sous-marin jaune et pose son regard animal sur les œuvres. Alors, c'est un regard assez sympathique parce que le théâtre de marionnettes permet de sortir des conventions, permet aussi de voir les choses différemment et tout ça. C'est ça, faire sortir
le côté rigolo des choses. Il y a un côté irrévérencieux également dans la marionnette. Donc, c'est le loup bleu qui va être un peu le narrateur de Guerre et Paix et qui va amener l'histoire, faire des raccourcis, va nous amener sous un angle particulier. Et dans Guerre et Paix, version scénique 1h20 en marionnette, on pose le regard sur trois personnages principaux, Pierre Bezoukhov, André Bolkonski et Natacha Rostkov, voilà, pour mon russe. Ces trois personnages... Tu parles très bien le russe, Stéphanie, c'est pas vrai. C'est des noms armatoires. C'est un trio d'amoureux, oui. Mais un trio aussi d'amitié. Donc, on va les suivre tout au long de cette grande fresque-là qui va durer là, sur 15 ans. Alors, c'est formidable, investir 1h20 de son temps et... pouvoir dire « Je connais l'histoire de Guerre et Paix de Tolstoï ». Donc, je vous dis d'essayer d'oser de la marionnette Absolument. Pour adultes et d'aller voir ce spectacle-là. Ça se passe le 20 avril sur la scène de la Saint-Michel-Côté. De sortir de notre zone de confort. Exactement. Comme tu aimes si bien le faire. Et normalement, elle réussit toujours à nous sortir de notre zone de confort et de nous convaincre. Stéphanie, merci beaucoup. Bonjour. Merci à tous et à toutes de votre participation pour Accès Culture. Derek, je vais te souhaiter un bon retour chez toi. Merci. Bon retour dans ton Alma. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Vraiment bonne question. Je t'invite à passer à quelqu'un d'autre. Oui, parfait. C'est tout le temps qu'on avait. Parfait. Merci beaucoup, Derek. Très contente que tu sois de retour. Manon Girard, évidemment, du Café L'Accès. On invite les gens à venir découvrir ce beau petit lieu-là, mais aussi, bien sûr, de profiter de toutes les activités culturelles. À s'épanouir avec nous parce que la culture permet un meilleur... Moi, je dis souvent que nos gens, ils fleurissent. C'est beau. Les gens, ils viennent ici puis ils se mettent à fleurir, plein de belles petites couleurs. Tu vois, Derek aussi, là, il commence à fleurir tranquillement depuis qu'il est revenu. Merci beaucoup, Manon. Aldric, Mathieu, ça a été un plaisir. Bon séjour chez nous. On invite toute la population à se déplacer à compter du 7 avril prochain du côté de Langage Plus, c'est bien ça? Et puis à regarder dans les rues, les coins, les morceaux de couleurs que sont les bâtons. Parfait, qui merci. Qui tire l'œil de l'ennui et qui ajoute un petit quelque chose gratuit, loin des... Ben avec plaisir. Oui, bon, voilà. J'espère. Le prochain s'en vient au Café L'Accès. Oui, parfait. Oui. Stéphanie Girard de Ville d'Alma Spectacle, tu rappelles la date pour Guerre et Paix? 20 avril, puis en attendant, on papillonne d'un projet à l'autre, donc je vais sûrement avoir à vous en présenter. C'est vrai, la saison de Ville d'Alma Spectacle qui tire à sa fin? Oui, la prochaine saison de spectacle va être annoncée à la mi-mai prochaine. Donc, parfait. Surveillez les médias sociaux. Pour le dernier Accès Culture. Exactement. Merci. Merci au public, merci à vous à la maison et un merci tout spécial au Café communautaire L'Accès qui nous permet d'être avec vous évidemment tous les mois pour Accès Culture. On vous invite à venir découvrir ou encore redécouvrir cet endroit, de venir prendre un café, de jaser entre amis et de passer du bon temps. C'est Mélissa Raté au nom de toute l'équipe de Cogeco TV. On se reparle bientôt. D'ici là, profitez-en pour savourer pleinement la culture de chez nous parce qu'on en est bien fiers. Et oui, la culture se porte bien. À la prochaine.